Euh, Puisqu'on avait parlé hier de ce sujet euh, des euh, accords ouais, qui avaient eu entre tu, tu disais, euh, ELV sur le coup ouais. et euh, LFI. Et là, le Parti communiste. Ouais, le Parti mmh. communiste faisait de la résistance. Sauf que, ouais. sauf que, enfin, alors. Il, euh, c'était en bonne voie avec le PS et finalement avec le PS, ça va ouais. probablement pas se faire. Mais il semble y avoir un revirement euh, du côté euh, du parti charcutier français et euh, on ne saurait que ouais. les en féliciter. Et je vais <laughs> essayer ouais. de vous retrouver Chrome quelque part. Bah avec, avec le PS, euh, ce qui a l'air de bloquer, c'est surtout une, une circonscription en particulier. Ouais, c'est même pas la ligne sur l'Union européenne. En fait, c'est marrant, là, on voit vraiment à quel point ils sont boutiqués parce que. C'est même pas la même, ouais. même quand ils ont des, des, vraiment des oppositions très très frontales sur certains points de, euh, de leur programme respectif. Ouais. Hein. Ah bah ouais, c'est ce ouais, on, on va voir de Parce qu'ils veulent, qu veulent, ils re, ils veulent renouveler une sortante, alors que euh, l'élection de cette même sortante, en fait, elle n'avait même pas été validée, donc elle, elle n'avait même pas pu vraiment être députée, donc techniquement, c'est pas une sortante. Donc c'est stupide. De dire, ouais, on veut renouveler notre sortante. Bah, euh, l'élection, elle a été annulée euh, dans son truc. Donc, réellement une sortante, vu qu'elle a pas vraiment été députée. Voilà. Effectivement. Et, euh, elle, euh... Donc, euh, moi, je ferais pour en euh, mode, euh, le PS, bah, lâcher cette circo. Euh, les autres sortants, je comprends bien, mais là, euh, c'est abusé. Surtout que. Désolé, mais euh, dans, dans cette circonscription, enfin, dans dans, dans, dans ce coin-là, Mélenchon, il avait fait quoi 40%, je crois, ou 45% Ouais. Donc, dans euh, ce cas-là, c'est. Cas voilà, euh... Le levier est un petit peu euh, plus faible, évidemment, ouais. Voilà. Euh, bon, par contre, je vais vite découper au et me mettre sur la 4G pour euh, essayer de choper ouais. un bah après, meilleur aussi, son parce que là... ce soir. <laughs> pendant ce temps-là, on va lire le premier article. Alors, je ne sais plus s'il est complet voilà. au partiel de Libération, Union de la gauche, Législative, la France Insoumise et le Parti communiste, top à leur tour. Après avoir signé avec les Verts, dans la nuit du dimanche 1er au lundi 2 mai, on en parlait hier, un accord pour les législatives entre LFI et le PCF, et on voyait que ce n'était pas gagné, a été conclu et validé par le Conseil national des communistes ce mardi. Après midi et là, bah, c'est rebondissement quasi inespéré en la matière puisque euh, la date limite qui, qui était fixée pour les négociations, ça semblait très très compromis. Et de deux commence l'article de libération après avoir signé un accord avec EELV. La France Insoumise est parvenue à s'entendre avec le Parti Communiste en vue des prochaines législatives. L'accord avec les deux formations a été finalisé ce mardi à la mi-journée. Avant donc, c'est info toute fraîche, avant d'être validé dans l'après midi par le Conseil national des communistes. Citation, nous souhaitons fédérer sur la base d'un programme ambitieux toutes les forces qui le partagent en respectant leur pluralité et leur autonomie, écrit le PCF dans un communiqué. Les deux formations se sont mis d'accord sur de nombreux points programmatiques, encore eux, c'était eux qui étaient les plus proches, mais ne mentionne pas la sortie du nucléaire, qui fait divergence, oui, qui n'est pas trop à l'ordre du jour pour le, le Parti communiste, et euh, qui est un point important du programme et un point d'accord important avec ELV euh, de la France insoumise. Euh, la sortie du nucléaire à laquelle ouais. les communistes sont opposés. Quelques heures plus tôt, le négociateur côté communiste, Igor Zamichei, révélait sur Twitter que l'accord était dans la poche. Citation toujours, l'exécutif national du PCF vient de donner un mandat favorable à sa délégation nationale pour fin finaliser le projet d'accord avec l'Union populaire. Donc vous voyez ici le tweet qui est mentionné. La formation de Fabien Roussel, Roussel rejoint donc la nouvelle Union populaire écologique et sociale. C'est plus long, mais peut-être que c'est plus beau, bon, oui, on ne sait pas. C'est chiant. Non, ouais. c'est, je trouve c'est chiant. Pourquoi les écouteurs? Mais on peut l'appeler la nupes. La nupes avec nous. La nupes. Euh, voilà. nous. La nup... <laughs> je sais pas. Saint nupes ou Assemblée nationale. Voilà, Sainte nup. Tout ouais. Assemblée nationale. D'ailleurs, c'est ma nouvelle bannière Twitter. <laughs> ah bon. Tu l'as ouais, déjà changé. À voilà. toi. Hashtag réactivité pour action. Donc couleur le... sous lequel elle mènera voilà. le combat les 12 et 19 juin prochains. Les négociations se poursuivent avec le Parti socialiste qui pourrait également rejoindre l'alliance dans les prochaines heures. On va essayer de vérifier voir ce qu'il en est vu que voilà. les prochaines heures sont écoulées. Tu as, as des infos Par là contre, c'est qui... mort euh, pour le NPA. Euh, de quoi c est, c est, Je sais pas. Par alors, contre, c'est mort pour le NPA. Euh, bah, J'ai vu le, le message de Poutou sur, euh, sur Instagram. et En gros, il disait que vu que le PS… Euh, parce qu'à la base, ils n'étaient pas censés avoir le PS. Donc là, vu qu'il y a le PS, euh, il trouve que du ah coup, ouais, coup, ça a bien ramonné euh, la ligne des négociations. et Moi ouais, Je veux bien faire accord pour... avec <laughs> eux, mais s'il y a eux dans l'accord, je ne suis, euh, suis plus dedans. Voilà, parce ouais. qu'il y a beaucoup de propositions qui sont du coup beaucoup moins ambitieuses. La retraite à 60 ans est devenue l'objectif de la retraite à 60 ans. <laughs> Euh, et d'autres trucs comme ça Où dans les termes C'est un peu amoindri c'est moins C'est moins franc Moins direct euh, Voilà Et du coup euh, Il trouve que du coup C'est un peu moins radical Il dit qu'il va quand même euh, Essayer de rester Dans les négociations Pour essayer de pousser Tout ce qu'il peut Pour pousser le truc Le plus à gauche possible Mais bon euh, Qu'il a pas trop de poids Non plus euh, Voilà Donc pour l'NPA C'est un peu mort J'espère au moins Qu'ils essaieront de, de pousser le truc Le plus à gauche possible Même si les négociations Elles sont vers la fin Mais euh, voilà Effectivement. Euh, et du coup, je ne sais plus où j'en étais dans mon article. Combien de circo ici pro promis au PCF euh, Fabien Roussel 50. qui dès hier lundi. Euh, alors, je sais. Alors, j'en vois 100 pour les verts. Là, on va voir euh, dont 30 jugés gagnables. Alors, c'est pas vraiment. Alors, c'est pas, vrai... pas vraiment 100 pour les verts. C'est 100 pour le pôle écologiste Donc, ça comprend les verts, les nouveaux dégommages, le si génération générateur les... écologie les à la base. Ouais. Voilà les verts euh, je crois qu'ils ont 72 ou 78 circonscriptions les nouveaux démocrates 2 génération écologie génération ils en ont 9 je crois voilà Macron va rendre l'IVG obligatoire. Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans le titre du live, Toto Caca euh, Alors pour revenir à donc à ces, à, à ces accords, cette Union populaire élargie a en effet pour objectif déclaré d'envoyer Jean-Luc Mélenchon à Matignon, euh, puisque oui, il y avait une citation de Fabre. Mélenchon qui prendre, sa, menu, prendre sa revanche sur cette élection présidentielle. Via l'obtention d'une majorité à l'Assemblée nationale, d'où les tractations pour régler les différents, comme sur la désobéissance à certaines règles européennes, ce qui peut coincer avec le PS, qui peut coincer avec ELV, même si l'ELV a donné son accord là-dessus, en disant qu'il fallait désobéir ouais. à certains points du programme. Je vous renvoie à la chronique qu'on a faite ouais. hier et publiée aujourd'hui. Euh, le texte de l'accord entre insoumis et écologistes enterrine la possibilité de désobéir si l'Union européenne empêche le programme de s'appliquer, mais seulement sur les cas budgétaires et économiques. Toute escalade vers une sortie de l'Union européenne est proscrite, ainsi que l'ont demandé les Verts. Sur le plan électoral, donc les Verts ont obtenu sans circos, enfin tu disais, oui, la mouvance des Verts, donc 30 jugés gagnables. De quoi garantir, et c'est ça qui est important, au pôle écologiste d'avoir un groupe minimum 15 députés dans l'hémicycle. On ignore encore, et c'est comme ça que les, les partis se financent aussi, on ignore encore dans quelle proportion les communistes auront été servis, mais ce mardi midi, ils sont manifestement satisfaits. Et euh, en voilà une nouvelle, qu'elle est bonne. Là, il est content. Et euh, j'ai une petite vidéo de euh, justement qui en. Parle. Toujours pas d'accord entre les voilà. socialistes et les insoumis et ça coince notamment sur la répartition des circonscriptions. Le PS entre en en ah. 60 et 70, dont une trentaine de gagnables, entre autres dans le Nord, l'Occitanie ou à Paris, les fiefs de Martine Aubry, Carole Delga ah. ou Anne Hidalgo. De leur côté, les cadres insoumis expliquent que le PS Merci est trop rien. gourmand par rapport à son score du premier tour de l'élection ouais. présidentielle. À l'inverse, ah. vous le disiez dans les titres, un accord a été trouvé avec les communistes, validé très largement cet après-midi par le Conseil national du PCF avec à la clé 50 circonscription dont 16 gagnables. Manuel Bompard, le directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon, ne cache pas sa satisfaction. Une bonne ouais euh... voilà, je crois, je crois que la France insoumise, je, je oui. crois que la France insoumise voulait en donner 40 au parti socialiste il me semble. Bah, eu qui... égard à leur score aux élections. Si la proportion ah. c'était une centaine pour les écologistes, ils ont fait moins de la moitié euh, du score des écologistes, enfin, sont, je crois. Enfin, ils sont, ils sont, ils sont généreux pour euh, les socialistes. Non les, les euh de partis ça fait 1,7%. Bah c'est ça, moins de donc, la moitié euh, de ce qu'a fait, euh, 3, ce qu fois fois fait euh, 3 fois moins. moins 3 on fois moins donc si on était dans. il a le elle avait pas fait 2%. Elle non, a fait non non non, c'est la les... salle mais c'était les... les premiers résultats, regarde attends, résultats élection présidentielle 2022. Euh... Tac, 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 tac. 1,7, c'est tout... toi qui as raison. Voilà, mais j'ai toujours vite. Raison, donc j'ai gagné 100. quand même. <laughs> je trouve voilà, donc, mes, euh, mes victoires comme je peux. Donc euh, le PS c'est presque trois fois moins donc euh, tu avec que le, les verts avaient eu 78 euh, si on devait vraiment oh. faire de la proportion ils en auraient eu 26 donc même pas euh, les 30 sortants renouvelés. Ouais. Donc euh, et ils sont bien gentils hein, Voilà. Ouais. Et alors et va y dire... y même... Ouais. Vas-y. Il y avait même les il y avait même les militants communistes qui se disaient "Quoi 50 c'est pas assez euh... Voilà. Les communistes se ouais. demandaient beaucoup et oui, effectivement, Ils disaient... alors que c'est oui. eux les plus proches. Franchement, quand tu es le plus proche au niveau de la ligne, c'est là que tu devrais être le moins gourmand. Mais comme c'est des accords mmh. de boutiques, de partis politiques, de petites entreprises… Ouais. Bah... Surtout que dans les 50, enfin, dans les 50 petites. circonscriptions, il euh, y en a 20 ou 25 qui sont très largement gagnables puisque c'est des bastions… Euh historique de gauche, donc euh, franchement c'est comme un cadeau. c'est Parce qu'il y en a, ils disaient ouais avec 50 ça, ça leur garantit pas un groupe. Euh, wesh, la dernière fois euh, les communistes, leur parti ils avaient 11 députés, donc même pas de quoi faire un groupe. Ils ont dû euh, s'allier avec euh, des députés ultramarins pour former leur groupe communiste. Donc bon, euh... non, je, je pense qu'ils l'auront hein, parce qu'ils renouvellent leur honte sortant, ça fait déjà 11. Et puis il euh, y en a euh, presque une dizaine d'autres qui sont euh, très largement gagnables. Ils auront leur groupe, hein, <laughs> qu'ils arrêtent de pleurer. Alors, Super qui nous dit qu on ne peut pas comparer non, les scores à la présidentielle que... et les scores aux élections locales, c'est absurde. Alors, ceci dit, comme c'est l'échéance la plus proche, et en plus, c'est deux échéances électorales qui sont très très proches, Bah tu te dis les derniers scores qu'ils ont fait c'est ceux-là. Donc, c'est sur cette base-là, bien sûr que toute élection est différente. Mais euh, si tu dois prendre les élections d'il y a 5 ans, est-ce que c'est plus représentatif pour toi que les élections euh, d'il y a quelques semaines Ouais. Ouais, surtout qu'il euh, y a cinq ans, euh, les et par exemple la France Smith qui avait eu très peu de députés en même temps, ils avaient pas réellement fait une grosse campagne de législative parce qu'en 2017, euh, faut savoir, euh, ils n'étaient pas dans le même état d'esprit qu'aujourd'hui, hein. ils étaient en mode euh, cassé, en mode on a perdu, c'est la défaite. Euh. Enfin, ils étaient beaucoup moins en forme et du coup, euh, la campagne, bah elle en pâtissait beaucoup. tout est-ce que là, Mélenchon il a su réagir rapidement, euh, quelques jours on laisse retomber le truc. Et puis il revient, boum, avec son annonce et tout le monde reprend la confiance et les militants continuent de militer. Donc euh, voilà, ça fait beaucoup mieux. D'ailleurs, euh, les, les, les sondeurs, enfin les gens dans les médias, ils aiment bien instrumentaliser dans les sondages, euh, les sondages. Mais qu'est-ce qu'on voit dans les derniers sondages On voit que la gauche elle est devant. Alors ok, les sondages c'est peut-être pas la vraie, euh, ce qui se passe enfin tout le temps réellement. Mais euh, étant donné que c'est les médias qui commandent ça, euh, voilà, ça va, ça va dans notre sens. C'est quand même plutôt bien. Alors Toto voilà. Kaka qui précise c'est pas local. Dire, euh... Ouais. ouais. Désolé je t'interromps un peu de temps en temps lecture mais je suis un petit peu obligé. Euh, Toto Kaka qui nous dit c'est pas local une législative. Alors c'est euh, quand même à l'échelle de ton département. Semi, euh... Alors, juste je je le réponds vite fait et après tu lui réponds aussi si tu veux. Euh, c'est pas une municipale dans le sens là il y a rien de plus local qu'une municipale les élections cantonales etc. Mais euh, par contre en fait c'est envoyer quelqu'un euh, la députation de ton département. Pour représenter à l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale, on n'est plus dans le local. Même si ça doit faire remonter idéalement certaines revendications de, de, certains, de certains endroits en France. dont Paris n'entend pas jamais parler habituellement, quoi. Et donc ils se préoccupent pas. Ça dit quoi, PS et NUPES Ouais, NUPES, moi ouais, je me suis dit pourquoi pas. Vas-y, euh, je te rends la parole du coup, euh, avec Kion. J'ai envie de t'embrasser, Daimon. Oui, ça fait souvent cet effet aux gens. ont Est-ce que tu nous entends non, eh ben écoute, c'est pas grave, je poursuis avec euh, l'autre article que je voulais vous lire. Euh, Alexis Corbière euh, qui nous dit "Méfions-nous d'un accord qui serait trop rapide." Donc euh, voilà, il vient un petit peu, euh, ca... alors soit calmer le jeu, soit casser l'ambiance, je ne sais pas, euh, mais en tout cas, il se montre prudent. Alors que le PCF a annoncé rejoindre la nouvelle union populaire écologique et sociale. Les négociations continuent avec le Parti socialiste. Citation, méfions-nous d'un accord qui serait trop rapide, a déclaré Alexis Corbière, député LFI de seine saint denis sur LCP. Pourquoi Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lui prendre sa circonscription Comment ça se passe Il faut que nos amis socialistes comprennent qu'il y a eu un résultat électoral lors de la dé-présidentielle et qu'ils ne peuvent pas être trop gourmands, a-t-il prévenu. Je suis très optimiste sur la possibilité de nouer un accord d'ici ce soir a estimé de son côté euh, donc là on est plus sur Alexis Corbière la députée LFI Clémentine Autain face à des journalistes présents devant le siège de la France insoumise donc le parti communiste lui qui le rejoint les barons du PS se rebiffent euh, selon France TV info euh, dans un message mis en ligne sur sa page Facebook Bernard Cazeneuve L'inénarrable critique vertement la décision de la direction <laughs> du PS d'ouvrir des négociations avec la France insoumise dans le cadre des élections législatives. On se souvient aussi Manuel Valls qui, qui les traitait de traîtres. Manuel Valls qui traite ouais. d'autres gens de traîtres, mais retourne à Barcelone, ouais. même, personne ne veut toi. Et d'ailleurs, personne ne veut savait toi. tellement de fois. C'est déjà un accident de l'histoire que ce mec-là a été pre Premier ministre. Quoi. Donc, euh, Bref. Ouais. Euh, d'ailleurs, tu sais que. Euh, il il n'aurait pas dû aller plus de que... l'Intérieur. Que... Tu sais qu'il euh, est là où il est candidat, parce qu'il est une nouvelle fois candidat à LREM. Enfin vraiment, le type, euh, il, il se casse, puis il revient comme ça. Enfin, bon, euh, il est candidat à LREM dans une circonscription, et il remplace du coup un, un autre gars de chez LREM qui devait être candidat. Et ce gars-là, il est en mode, ah bon, c'est Emmanuel Valls qui sera finalement candidat à l'endroit où j'étais Je pas au courant. <laughs> toujours comme ça, nous dit euh, Sailor03, une bonne dynamique pour le gagnant des présidentielles et une démobilisation, fallait pas voter Macron au second tour. Euh, il t'a pas échappé, enfin que, là... on n'avait pas le choix, il y avait pas de vote Mélenchon, donc c'était soit l'abstention, voilà. soit Le Pen, soit Macron. Moi, ça a été, euh, j'ai voté Nodus, évidemment. Mais euh, bah, <laughs> voilà. qu'est-ce que qu'est-ce que tu te plains Moi, j'étais pas chez moi. De bah, toute façon, nous, on pouvait pas être contents de ce deuxième tour. Donc, euh, va, va pas reprocher ouais. à la gauche le résultat du second tour. Démerdez-vous, hein. hein démerdez-vous. Euh, d'ailleurs, démerdez ah, au hein. aujourd'hui, d'ailleurs aujourd'hui, je me suis promené, j'ai croisé un électeur du Parti communiste. Ah Et alors et Ouais, comment, un ancien... Tu... Comment tu savais que c'était un, un camarade à moi. Euh... Ah, parce que tu Non mais, Ouais, bah c'était un ancien camarade à moi au primaire, donc c'était il y a très longtemps. Euh, je me promenais en vélo, euh, je me baladais et les gens que je croisais, tu vois, je leur demandais, enfin surtout aux jeunes s'ils étaient inscrits sur les listes électorales et j'essayais aussi de faire euh, ma petite propagande électorale, tu vois. Ouais. Et euh, je lui demandais pour qui il avait voté. Il a dit euh, qu'il avait voté pour la liste. Ah bon, non? Non. <laughs> non, il a dit Parti communiste, même s'il aurait bien aimé que le Parti communiste se range derrière Mélenchon parce que c'était lui qui était premier. Bah, D'où euh, le fait que Un je ne comprends pas qu'il ait continué du vote utile. Ouais. Alors, oui. c'est Laure qui nous dit, euh, Le Pen aurait eu beaucoup plus de mal aux législatives. En fait, tu contredis toi-même puisqu'il y a une minute, tu nous as dit, c'est toujours comme ça, toujours, jamais aucune exception, il n'y aura jamais aucune exception. C'est oui. ton message. Là, je Moi, pense... je ne pense pas ça. Attends, mais... juste. Attends, désolé, euh, Écure mais sinon, c'est pas possible. Euh, je te fais réagir juste après. C'est toujours comme ça, une bonne dynamique pour le, le gagnant des présidentielles et une démobilisation c'était le prélude de ton message fallait pas voter Macron au second tour et là tu me dis Le Pen elle aurait eu du mal au législatif bah je croyais que le gagnant de la présidentielle il avait toujours le champ libre F tu peux pas dire les deux et soutenir les deux en fait c'est soit l'un soit l'autre mm. donc euh, je te rends la parole Équion surtout que là en plus on pourrait dire euh, ok c'est vrai pour un président qui fait son premier mandat et que tu connais pas mais euh, Macron il a déjà été euh, président avec sa majorité et tout voilà, et il y a plein de gens qui ont voté pour lui, qui en fait c'est juste parce qu'ils voulaient pas le peine, même au premier tour. Hein. Voilà, donc je euh, pense que les résultats seront beaucoup moins bons pour lui aux législatives, d'autant plus que certes il y a une démobilisation, mais je pense que les partis, euh, tous les partis euh, euh, majeurs l'ont compris qu'il y a une démobilisation massive. Et justement on l'a vu, dès que leur truc était fini, direct ils embrassent sur les législatives, justement. Pour pas qu'il y ait de démobilisation, mmh. au vu de résultats. résultats oui, Pour dire, ouais, c'est pour ça qu'ils le présentaient comme un troisième tour, en disant en, en, Parce que le, non, vous mais même le RN... Le ah oui, d'accord, oui. Même oui. le RN, même le... De toute façon, le RN c'est toujours le discours. Le RN et Mélenchon, ils ont tous les deux compris que la dernière fois, ils ont eu très peu de députés parce que les gens sont démobilisés. Donc, ils se sont dit, euh, il y a eu plus de, de députés ici que le euh, RN. Oui, bah, eux, ils avaient même pas de groupe. Sachez. <laughs> et d'ailleurs, on se les droit en train de pleurer. Quel plaisir. Je suis pas sûr qu'ils soient en train de pleurer. Hein. Ils, mais ils ont ils... tous peur. Tout les droites, mais non, les droites tard, ils vivent leur meilleure vie. Ils se disent c'est faflande. Là, les gens, ils sont tous en mode raciste comme nous. Donc, on est content. Non, je te, je, te, je te parle des droites tard macronistes. Enfin, même un ah. peu l'extrême droite, ils commencent un peu à flipper. Oh, hein. C'est un peu l'extrême droite. Tous en aussi, train mais... de oui, mais ils sont tous en train de cracher sur le nom de la gauche en mode ils renient leurs valeurs. dans les temps le part... quand même, Macron. Donc, euh, parti... Ça crève des yeux, le ça arrache des mains. Social... Hein. Le Parti socialiste renie ses convictions et ses valeurs. Euh. Oh, Alors, on a vrai, ça, bah, justement, euh... la, la citation que j'essaie de caler depuis 5 minutes sur, de Bernard Cazeneuve, ah. euh, elle va dans ce sens-là. Bernard Cazeneuve, qui, est, bah, qui était dans le comité de soutien d'Hidalgo, qui a déclaré Je ne pourrais en conscience et en responsabilité, demeurer dans le parti dont les dirigeants auront perdu ceux qui le font, des perdu leur boussole, pour ne pas dire perdre la boule. Voilà euh, ce qu'a écrit, euh, du coup, un des éléphants du socialisme. Voilà. Et pour François Bayrou, l'accord à, à gauche des... est un événement extrêmement triste. Ça, c'est euh, <laughs> parce que ça, ça pourrait mener à la fin de l'Europe et la volonté de Jean-Luc Mélenchon de sortir de l'OTAN, euh, ce qui euh, forcément bah, Bayrou, il a toujours été très très pro-européen hein, sur le coup. Et ça, ça fait partie justement des divergences pour euh, ces législatives ouais. dans le cadre d'alliances où normalement c'est un sujet où c'est ouais. difficilement réconciliable. Ouais, mais en plus les, les mêmes, tu vois, qui disent euh, les socialistes. Euh... Euh, ont trahi leurs convictions, euh, les mêmes qui, euh, même ceux venant du Parti Socialiste, c'est les premiers à avoir trahi euh, l'idée du socialisme. D'ailleurs, euh, il y avait Pierre Jouvet, euh, tu sais, euh, le porte-parole des négociations euh, au PS, qui, euh, qui disait euh, justement euh, Non, en fait, euh, euh, d'où être radical sera un problème, et que du temps où le PS était radical, c'était euh, les plus grandes heures du PS, donc il faut revenir à ça, tu vois. Donc ceux qui ne veulent pas de ça, c'est ceux qui ne veulent pas, euh, justement, la, des grands moments du PS, tu vois. Oui, c'est ceux qui veulent juste euh, un parti euh, dit de gouvernement qui ne fait peur à personne et donc qui ne sert à rien. Voilà, et qui fait des politiques de droite. Voilà. Et qui fait des politiques de droite, évidemment. Parce qu'en plus, ils sont <laughs> en mode l'alliance avec elle. Surtout qu'ils font euh, l'alliance avec le parti LFI, euh, euh, tuerait le PS. Non, vous êtes tué euh, vous-même, 1,7% aux élections. Et puis, non, en fait, là, Mélenchon est carrément en train de sauver le parti socialiste, car il va leur offrir. Ah oui, parce que des des là, ils sont, ils sont en mort clinique. Et et là, Mélenchon peut mettre son respirateur voilà, artificiel, on peut dire ça. Hein. Ils auront des circonscriptions, en plus, ils lavent une partie de leur honneur, parce qu'il y a des gens qui commencent à se dire <coughs> Ouais, euh, on préfère ce PS-là que le PS d'il y a quelques semaines. Voilà. Donc, euh, non, ça, ça, ça va les sauver même, en fait. Voilà. Mélenchon qui a à la fois tué le PS et qui est en train de le sauver. Effectivement. Euh, J'essaie de voir si on a une vidéo ré plus récente. Mais non, c'est le sujet. Il est vraiment euh, tout chaud. Tout chaud, sorti du fourneau. Exactement. Et donc, on veut le livre en avant-première. Est-ce qu'on a des choses. Qu on... Des, ar des articles qui datent d'aujourd'hui L'union les... de la gauche vers la. Ah, mais ça, c'est. Non, ça, c'est France Télévisions. Donc, il. Ils vont D'ailleurs la, de euh, la une de demain de l'humanité, puisque je ne sais pas pourquoi ils publient leur une à l'avance. Parce que pourquoi. T'as souvent euh, plusieurs une de prévu au cas où, hein, mais. Ok, et c'est euh, comme un air de, de front populaire, je crois que c'était ça le truc en 1936, non ouais. Comme un air de front populaire, euh, bah oui, le front populaire. Enfin, en 36, il y a eu les congés payés et c'était le front populaire, oui. mais euh, le 3 mai, le, le 3 mai, le, le jour on est avant et a existé et Le après. jour, euh, voilà, c'était le 3 mai. Eh bah écoutez, on espère que euh, ça se finalisera euh, avec tout le monde. Donc le NPA, tu me disais que c'était mort et, euh, ouais. et le PS, euh, le PS, il y a, a jusqu'à quand pour savoir. Euh, si bah, ça va le faire. Euh, euh, putain, je trouve pas le mot, mais truc définitif. Euh... Enfin, le temps euh, définitif. Enfin, euh, les, toutes les candidatures investitures seront annoncées euh, samedi. Donc, je pense qu'ils ont jusqu'à la fin de la semaine. Ouais. Merci d'être de m'accompagner au boulot. Eh ben, bon courage à toi, Tommy. Tu vas faire quoi cette heure -là ah, ah, à cette heure-là D'ailleurs, je crois que. D'ailleurs, je crois qu'il y a la France Insoumise qui ont dit euh, aujourd'hui au Parti Socialiste, euh, euh, soit, enfin, un truc en mode, euh, soit euh, vous, vous concluez maintenant, euh, soit euh, bye. Hein. Enfin, je, je, je vulgarise un petit peu, je transforme un ouais. petit peu la façon de dire, mais voilà. Parce qu'au bout d'un moment, faut faire campagne, quoi. Mais ouais. à, à mon avis, c'est juste que le PS, ils essaient de gratter le plus qu'ils peuvent. Bah oui sauf que on est plus dans leurs années où ils faisaient des scores. Euh, des scores ne serait-ce qu'à deux chiffres Ça fait combien de temps Ouais. Ça fait un petit ans. moment, j'ai l'impression. Euh, et je vous avais retrouvé un article, voilà. Euh, surtout, ouais, euh, un article qui date d'aujourd'hui et qui nous parle justement euh, des militants du PS qui espèrent l'union euh, des gauches. Donc je le découvre en même temps que vous. Et là, en plus, on a une vidéo. Réagissent les militants socialistes Comment réagissent-ils à ces fractures encore. ou encore. Face à cette opportunité d'union, Zoé Pallier vous leur euh, donnez la parole. Oui, et eh bien écoutez, Raphaël, ils sont plutôt enthousiastes. Hein. Une union, il était temps, sourit Véronique, attablée à une terrasse de café. Je suis partante, parce qu'il faut qu'il y ait une force à gauche importante. Moi, j'avais voté François Mitterrand, c'était l'union de la gauche. Et j'avais un père à l'époque au PC. Ça représentait des choses, un grand-père socialiste, un père au PC. Et certains ont d'ailleurs déjà sauté le pas, comme Catherine, cette socialiste, a voté Mélenchon au premier tour Exactement. de l'élection présidentielle. Mon premier choix, c'était Annie Hidalgo. Et puis, ben bah, voilà, j'ai pas voté pour elle. Je me suis dit, ben, bah, il valait mieux oh, porter bon. nos voix vers quelqu'un qui pouvait rassembler le plus de gens possible. Moi, ah, j'aime ouais. pas spécialement Mélenchon. En enfin, fait, je compte sur le fait qu'il y ait des gens autour de lui qui puissent l'empêcher d'aller vers ces, ces, ces vieux trucs anti-européens. C'est ça mon espoir. Ah C'est ça le gros clivage. Hein. <laughs> Et pour d'autres électeurs on que j'ai croisés ce matin, c'est d'ailleurs la seule chance de survie du PS. Certains se sont détournés du parti ces dernières années et envisagent pour la première. Après, il a jamais annoncé, euh, surtout dans le cadre de cette alliance, ils ont, ils ont même conclu que il n'y aurait pas de, de sortie de l'Union européenne. Mais oui, est-ce oui, que, ai, pour, est 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 mode... que pour le PS euh, euh, tout euh, toutes les réglementations européennes qui nous sont imposées, euh, toutes les décisions supranationales sont nécessairement bonnes ou est-ce que c'est l'idéologie de même s'il y a des décisions qui sont mauvaises, euh, globalement le projet est trop important et donc faut subir ces mauvaises décisions. Enfin bref, donc je sais pas dans quel tas ils sont. On finit juste la lecture de cette petite vidéo. Mille fois de revoter pour les socialistes en cas d'union pour les législatives. Parole de militant. Merci Zoé Pallier. Nous poursuivons la discussion avec. Voilà, c'était la fin. Et après la ligne, euh, oui. la ligne dessus, c'est de l'accord sur l'Europe. C'est euh, on, on désobéit quand on on peut pas faire ce qu'on qu'on veut faire. Ce que disait Mélenchon au départ, hein. hum. Voilà. Et, euh, et même c'est euh, plus ou moins ce qui était écrit dans le livre de Julien Bayou, tu vois. Alors, après, c'est vrai que techniquement, l'Union se euh, européenne, voilà. si chaque pays fait ce qu'il veut à chaque fois qu'il y a un truc qui lui plaît pas, bah, tous les pays font des trucs différents et l'Union européenne ne sert plus à rien. Mais en soi, ils font un petit peu tous opt-out sur leurs trucs qu'ils veulent. Il y a certains pays qui s'en servent pour... Euh, Parce qu'un pays dit moi moins, je veux plus que l'euro, encore... moi je veux plus que la voilà. libre circulation des gens, euh, moi je m'en fous des accords euh, des et... quotas de pêche, tu vois. Et d'autres qui, 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 qui s'en servent pour... Euh, ils font opt pour être ultra racistes et... voilà. Aussi. bah Quand je te dis la ouais, libre euh, circulation euh... des gens, c'est souvent, souvent ouais, basé sur basé ouais. ouais. Enfin voilà, l'État, ce qu'il en est. ELV, LFI, PCF c'est sûr. NPA, a priori, c'est mort. PS, euh, bah, la suite au prochain épisode, évidemment. Restez abonnés, stay tuned, comme on dit, et on vous tiendra informé. Évidemment. Ciao, ciao.